Kibila. Kibila. OK? Kibila. Kibila. 10 ans avant ça, c'était dans l'Ariane qu'on commémorait 18 novembre. Si on a retiré le 18 novembre, non, t'as l'air de nous côté programme SDP a fait. Si nous avons justement commémoré 18 novembre, non, on t'a dit tête, non, qui sa bataille de Béthier là? Qui est-ce qui était là-dedans? Qui est-ce qui était impliqué là-dedans? Qui était stratégie? On dit non, il y a des gens qui parlaient de l'indépendance d'Haïti depuis même 18 novembre 1803. Il y a des gens qui estimaient après Goumen ça, après échec là, mais Napoléonienne, non? Pas de lieu pour nous être en 1er janvier pour nous dire nous indépendants. Depuis 18 novembre, non? Nous sommes indépendants. Mais nous avons le temps le 1er janvier pour nous crier victoire ou bien fêter, proclamer l'indépendance. Qui modèle monde qui te fait goûter ça? Qui modèle solidarité que te gagne dans la période ça? Et je dis, qui modèle monde nous gagne et qui modèle solidarité nous gagne, je dis. OK? Qui t'aime ça, dit madame la Noz Chérubin. Madame la Noz Chérubin, c'est maman Claudie Chérubin. Et maman Rousse, maman Junior. Son équipe, oui. Ça, les tout le monde la combat net. Toute émission, c'est pour nous le dire. Qui bilan gagne? Non, d'accord, avec moi. Pas de modèle, moun sa encore. Et je vous dis, moun qui kon prétendre qui qu'on voulait faire montrer je suis démocrate je suis leader je suis des monde qui bataille contre système non nous voulons pas ça OK nous voulons pas ça professeur Léonidas c'est professeur donc a toujours gain de intervention bien de monde historien font y parler un jour dia je sais, mettre chemise professionnelle sur lui pour lui parler d'une bataille de métier. Mais pendant ça, qui t'aimerait appeler le SDP lui-même, a fait journée réflexion. Mon programme, le programme n'a dit vraiment là. 9h-10h, arrivée et enregistrement délégué des 10 départements. 10h-10h05, entonation de la dessalinienne, observation. Minute, recueillement en faveur victime, massacre, assassinat et autres, particulièrement Jean Dany. Jean Dany, moi, le militant, ça, qui était à demandé justice pour Mati, pour Doval en bas. Avec Mati, nous était battu. Après ça, me détend de dire tout est en bas. Les nouvelles que je ne peux pas confirmer, après, je ne peux pas parler sur lui. 10h05, 10h30, propos de bienvenue, mise en contexte. Je plus content si tu mets qui est-ce qu'a fait. Tato dit peuple là, qui les nègres en bas. 10h30, midi 45, intervention d'un délégué par département. Midi 45, 1h45, lunch, pause musicale. Elle devait avoir un radot, non lui-même. 1h15, 1h45, intervention d'un ou deux dirigeants du directoire. Assurément, je vais mettre Michel Kassi Marjorie, par contre, qui est-ce là-dedans? Mais là, on a laissé ça. Le peuple a besoin dans l'espace là. On a laissé ça. Le peuple a besoin de négo là. Vous demandez négo côté système là. Vous tout dit négo en aller dans l'arrière. Il est 15, il est 45 là. OK? Il est 45, 2h45, adoption résolution de la journée de réflexion. 2h30, 2h45. Présentation de la résolution devant la presse. Je dis la presse là, il a invité la presse pour 2h45. 2h30, 2h45. 2h45, 50, 2h50. Vous dites remerciement, 2h50, 3h. Fin des travaux, départ des délégations. OK? Ça, c'est ça, dans l'enquête, moi. Me cherchez?
m'a dit nous ça mettre Michel voyez bon moi lui-même moi ça mettre Michel voyez bon moi. Conférence de presse spéciale. Le secteur démocratique et populaire invite la presse parler écrite télévisée en ligne à une conférence, à une importante conférence de presse ce jeudi 18 novembre 2021 à Iguana Night Club, route du Canapé Vert, INE 45. Maintenant, les ça, pour présenter à la nation la résolution qui sera adoptée par les délégués du secteur démocratique et populaire. Plusieurs centaines de délégués du secteur démocratique et populaire participeront ce jeudi 18 novembre 2021 à une journée de réflexion stratégique. Les discussions porteront sur le comportement du PM Ariel Henry. Non, rien faire rien des comportements Ariel Henry. C'est nous qui avons dit Ariel Henry, c'est nous qui avons révoqué le ministre. Tout dit ça pour le faire, nous n'avons pas besoin de critiquer le comportement. Maître Michel, nous n'avons pas besoin de critiquer Ariel Henry. Bah quoi, nous t'es critiqué, et t'es critique, nous t'es balé pour nous faire révoquer Rockefeller. Non, c'est nous qui t'es révoqué Rockefeller. Donc, juste dis-le, mais ça pour le faire. Vous comprenez? Non, les gars, tout malade, grand monde, tout malade. Bon, hier, vous mettez le long cas, tout boumbe là, vous faites liste média, qui vous couvre, bah, il y a mi pana, vous pas mettre méga. Vous tellement lavé, vous tout sous les réseaux sociaux, rapide, vous corrigez, vous mettez méga. Maintenant, je me lève, je me dis, ça me doit le faire. Vous qui t'as réel pour aller dire en bas? Comme je dis, moi, tu es un journaliste, c'est bien du mal dans Mipana. Je m'attends de qui ça? Ariel, ok. Mais qui ça Ariel pour le dire lui-même? Dans la journée et 18 novembre. Qui ça Ariel pour le dire? Qui ça Ariel pour le dire? Maintenant, on va mettre une critique et comportement Ariel. Vous m'avez compris? Nous mettons juste dit, docteur, fais ça. D'ailleurs, je viens de révoquer Rockefeller, dis-le même bien. Et puis, la revendication populaire. Le nécessaire rassemblement des forces démocratiques et populaires, le bilan catastrophique du PHTK et la situation sécuritaire du pays. Bon, bilan catastrophique, là, on ne va pas parler de ça encore. Vous comprenez? Le bilan catastrophique, là, on ne va pas besoin de commencer avec ça. Tout le monde connaît. Michel Houguen dit, ça va parler de PHTK. On va retirer ça dans le point. Et la situation sécuritaire du pays. Bon, nous, là encore, nous incohérents. Situation sécuritaire du pays, LBC et privé avec KASIC, MITLB. Donc, Justin, fond by Negla, on dit tantôt, vous voyez, d'ailleurs, avec LB, semble moun, qui met pilate. Donc, by Negla, sécurité, pays, nous avons aller dans ça. On va comprendre? Et puis, ça, on dit la sécurité du pays, pour vous prendre 17 novembre 2020, pour authentification, Marjorie Michel, ingénieur, et ancienne ministre à la condition féminine. Bon. Ça, même, c'est ça. OK? Je vous dis, nous, ouais, écoutez, nous, nous côté nous. Et quelle que soit la situation, comme dit nous, côté de bralé, et bataille vêtir là, qui s'al débaille. Donc, je dis à nous côté de Michel Abier, dans l'Iguana Café, sous le canapé vert. Donc, je dis à pas de champ de masse, pas de Delma, pas de campé de barricade, pas de barri journal pour le bal vêtir. Maintenant, qui s'al nié? Il y en a qui s'en tombe, je dis. Luca, et quittez les mots, c'est vrai, les mots. Comme Ephraim, je dis, c'est 18 novembre. Il peut placer à 18 novembre. Bonjour, merci Romanès. Bonjour Rousseau. Bonjour auditeur. Bonjour auditrice. On nous rentrer pour nous parler d'un bagage extrêmement important. Et c'est date, je dis, 18 novembre 1803. Moi, je connais que ça m'a dit au pas un. Mais ça m'a dit au, je pense que, il y a deux mondes qui t'a carrément, jeunesse pays à service. Si on te remettait sur les réseaux sociaux, j'aurais qu'on fait les gains dans la ria, pour m'en apprendre, pour m'en entendre, pour m'en comprendre. Nous n'avons pas faut dire vedette, un booster, mais nous dit que, pour éduquer moun, nous autoriser n'importe qui radio, où est passé San Baldio concernant 18 novembre, concernant date ça. L'humanité, c'est pas de discrimination. Et l'humanité, c'est pas de race blanche qui a essayé de dominer toute les races qui sont sur la terre. Nations Unies, tu as une obligation pour le faire de 18 novembre. On date côté que l'humanité t'es doué fêter. Parce que 18 novembre 1803, joue ça, date ça, lui permettre que l'humanité font bon géant, lui permettre que l'humanité corrige des siècles d'erreurs, et date ça, lui gagne impact
théologique, li gen impact politique, li gen impact social, li gen impact économique, li gen impact culturel. Nous est juste côté malé pour me capable expliquer ou même jeune haïtien ou même moun noir ça 18 novembre. Première importance pour comprendre l'or way du 18 novembre parce que moi c'est date que me pire mais dans l'histoire pays et me pas expliquer pour qui ça et vous comprendre tout auditeur auditrice pour qui ça 18 novembre non c'est date pour nous te commémorer grandiosement pour nous te fêter beaucoup plus que 1er janvier parce que 1er janvier a son date symbolique lié mais 19 novembre 1803 18 novembre non c'est un bagage extra ordinaire qui passait nous. Mais qui s'est passé? L'Église catholique, c'est quoi il dit le papa qui te sorti, qui te dit que moun noua pas gen nom. Ça veut dire ou pas moun, ou son meub. Même le ou baptise ou la colonie, c'est peut-être pas pure hypocrisie. Mais il te dit que moun noua. C'était que moun noir pas moun moun noir son deuxième catégorie lié moun noir était comparé presque à bête 19 novembre 1803 le que capitaine général Donatien Rochambeau décide de remettre bay Jean-Jacques Dessalines le grand seul saint dans le ciel là la ville du Cap Haïtien a toute fouk là dedans et sec bagaille qui rivé dans l'histoire de l'humanité. Pour les bagailles qui arrivent, c'est que l'acte de reddition, ça, c'est un capitaine général, l'armée française, plus gros l'armée gagne dans le monde. Bon frère, Bonaparte. Le monsieur signe reddition, hein, monsieur voyait le bail de Saline, par l'autre général de brigade qui était beaucoup tel, monsieur d'un coup démenti 5 siècles côté que le tap dit, noir, pas moun, noir, pas gen homme, noir, pas rien. Le monsieur accepte que Jean-Jacques Dessalines batte li et que la plus grande armée du monde vienne là, l'oblige à mettre à genoux, demander pardon. Ce n'est pas victoire, non, c'est important. C'est conséquence victoire pour analyser, pour comprendre. Regardez, si vous n'avez pas accepté que moun noir, c'est moun qui a une dignité, qui a un caractère, que c'est des êtres humains, ou pas capable d'accepter que pour rendre tout, pour rendre la ville du Cap avec toute force française, pas des salés. Mais, comprenez bien, et c'est ça qui est important pour comprendre le titre. Là, ça. L'article 3, l'édition que Rochambeau voyait bail de Saline, non? La qui bon là? Là où après l'indépendance? Non, avant l'indépendance, le 18 novembre, ministre toi. Oui. L'après-midi 18 novembre. Parce que tu as commencé avant, pour me garder côté m'souti, parce que 18 novembre, c'est la dernière bataille. Oui. Faut me connaître côté m'souti. On garde côté m'souti dans Genève, question, hein, pour m'arriver 18 novembre. Et après 18 novembre, parce que faut ne pas ouais 18 novembre, non, comme 18 novembre, non, on joue de 24 heures. Même après l'indépendance. Mais de continuer à boycotter, nous continuer à prendre petit. Non, ça, c'est le bagage au palais. Ça me l'explique, ça veut dire que. C'est pas bataille qui était laissée. Ça veut dire que, nous avons parlé de depuis le révolte a commencé jusqu'à ce que. Non. Ça qui est important aujourd'hui, ça, nous avons dit qui est essentiel aujourd'hui, à la date 18 novembre. C'est montrer comment l'histoire de l'humanité a changé à partir de victoire. Oui, mais il faut expliquer bataille. Là, tu ne sais pas bataille là. Comprenez bien. L'homme parlait que capitaine général, qui c'est beau-frère Napoléon, monsieur écrit un acte de reddition voué par Dessalines. Mais l'article 3, monsieur dit Dessalines, tant pis. Nous comptons sur humanisme, nous connaissons ce monde, nous respectons grandeur à caractère. Nous demandons tant pis pour protéger les gens qui blessent avec prisonniers. Mais c'est même nèg sa octab dit que moun noir fait pour esclave que ou pas de caractère que ou pas de dignité que ou pas moun oui. Et puis nèg après l'écrit l'autre là pour dire moi connais que comment son grand nèg comment grand cœur comment son nèg qui comprend les lois de la guerre
et que prisonniers blessés ou traités bien. Et pour ce bail garanti, bonne volonté que la presse était pareille, parole, monsieur consigné, monsieur voyé un officier supérieur, en général, qui fait pour constituer tête les prisonniers, la main des Salines, pour que pendant 10 jours, permettre que l'armée française évacue tête li, grand bateau li, aller avec moun ki blessé, avec moun ki kap marché, avec population civile qui lui aller. Monsieur besoin garantie et des Salines pour le respecter parole li, des Salines pour le fond couloir humanitaire pour permettre que Rochambeau reste l'armée française là, français de la colonie qui voulait aller pour y aller. On dit que à partir de cette reddition, on a dit le papal qui annulé dans l'histoire de l'humanité, moun noua, des noms, moun noua, quatre chrétiens, moun noua, c'est petit bon Dieu, moun noua, c'est moun. C'est une bagaille qui est plus importante qui arrive le 18 novembre 1803. Une bagaille qui arrive dans l'histoire de l'humanité, c'est que l'Occident chrétien, la France qui est la première puissance dans le monde, est acceptée. C'est un État qui se, une République qui fait et son République de nègres. Je te considère le code noir comme bien meuble. Ça veut dire que je te mets au même côté à table, à chaise, à bête. Mais à partir de l'édition, ça, la France acceptait pour ancienne colonie, là, l'hypédule, l'hypédule sous influence française pour tomber en bas autorité. Yon qui est le Jean-Jacques Dessalines qui décidait de faire territoire ça, colonie ça, en république, côté que tout le monde peut vivre libre et égaux en droit. Mm-hmm. Ce que la révolution américaine n'a pas su faire, Dessalines fait à partir de 18 novembre 1903. Ce que vous avez est extrêmement important pour comprendre, auditeurs, auditrices. L'expédition de Tressé en 1802, Napoléon Bonaparte voyait un régime polonais, il voyait un régime grec, il voyait des Espagnols avec des Italiens, qui le fait un régime ensemble. Il voyait un Saint-Domingue, parce que le pays a été sous domination, le pays a eu la France a gouverné. Donc il prend soldat, ça a eu venir établir l'esclavage à Saint-Domingue. La grande dame de Saline, elle ne prend ni polonais, ni grec, ni Espagnol qui voulait rester, il pral ba nationalité haïtienne, il pral faire ou vinn citoyen en république qui fait fête qui relè Haïti côté tout le monde, ko blanc, ko noir, ko métis ou simplement c'est haïtien yé, ou que même droit ou que même devoir. Social 18 novembre 1803. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité l'Occident chrétien reconnaît que lui-même, avec l'homme blanc, avec son aide, c'est même bagaille que lui. Dans l'acte de reddition signé par le général Donatien de Rochambeau, qui est adressé au général de Saline, non seulement monsieur reconnaît autorité, pouvoir, que de Saline comme général le chef armé, mais monsieur reconnaît comme blanc, comme raciste, comme on est qui t'a fait chien manger esclave. De reconnaître que Dessalines c'est égal lui, de reconnaître que les marques Dessalines c'est même bagaille, et m'a accepté, remettre Epel, remettre Zamni, bail Dessalines, parce que justement, m'a perdu devant Goneg, qui est déjà Dessalines. Donc, les gros portes théologiques, les gros portes sociales, qui est extrêmement important, vous comprenez ça qui passe là, je veux dire, à partir de 18 novembre 1903, l'apartheid était de disparaître dans le monde. Au-delà de phénomène esclavage à quoi disparaître, au-delà du fait que sous terre ça a désormais pas d'esclavage encore, au-delà du fait que sous terre ça a qu'on métis, qu'on blanc, qu'on français, qu'on grec, qu'on n'importe qui bagage, etc., ou égal égaux à quoi ancien esclave, nous tous ces mêmes, nous tous les mêmes droits, nous tous ces citoyens de la République Kenya. Mais c'est cohésion ça qui peut le soutenir à partir de 18 novembre 1903 qui est extrêmement important. Nous ne devons pas oublier. La France qui fait déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les pral retourner sous lit pour le faire, rétablissement de l'esclavage à la Martinique, à la Guadeloupe et à Saint-Domingue. Les États-Unis qui soi-disant sont république
Nègre ça fait blanc rue après gré. Nègre fait pour l'implantation coton Virginie dans le sud pour comme esclave vieux calo pour faire ça là-bas. Vous comprenez bien? Tandis que là, en Haïti, l'ancienne colonie ça a vu une république, non seulement pas d'esclavage, non seulement l'Occident chrétien admet que moun noir désormais c'est moun à part entière qui est, mais l'Occident chrétien oblige à admettre que ni noir, ni blanc, ni métis, nous tous ces mêmes jeunes fêtes, nous tous ces petits de mon Dieu. Après l'économie de Konya, c'est ça qui a bouleversé totalement l'Occident, l'Europe, plus les États-Unis. Il fait que Negio pral mette yon embargo unique et cynique contre pays. Vous comprenez bien? Negio son commerce que vous gagnez, son business que vous gagnez, côté que bon bon bête, bon bon moun noir, qui a fait travail, l'implantation canne, l'implantation coton, l'implantation indigo, pour le cabri, riche, même pour mener la belle vie. Ou pas gain droit propriétaire, puisqu'on pas moun, ou pas gain droit de l'argent dans mon, puisqu'on pas moun, ou pas gain droit riche, ou pas gain droit rien d'autre. 18 novembre 1803, li fait non seulement don net droit citoyen à part entière dans l'État, mais li dit ou, l'ouvrir la voie pour vous à la propriété privée, à la richesse, à la fortune. À partir de 19 novembre 1803, on est de gain de travailler ou vendre produit ou faire l'argent ou faire comme vous ou générer richesse ou changer condition vie ou à condition vie famille. Abdiem dou, c'est 5 étapes que lié. Pour regarder là c'est que au point de vue théologique les démentis ont édit le papal qui te mettait dans la situation pour te mettre. La deuxième chose, moi d'où, les sociales, parce que le noir, le métis, le blanc, par, la, par l'acte de reddition signé par Donald Saint Rochambeau, les accepter que nous tous ces mêmes, les accepter que des Alines, même gens avec Pétion, même gens avec Rochambeau, il y aurait même droit, il fait même gens, il y aurait même gratte. Mwendo, pote politique li, c'est que l'État, la République d'Haïti, je dis à l'Ipon colonie, l'éclaté, la France pédule, et gon nèg qui est le Dessalines qui décide que colonie ça désormais c'est une république. Entière. Libé, libé, qu'on dit, Mwendo Kondi. Grand monde tête li, il va le prendre droit qu'elle veut, il va le comportement qu'elle veut, il va aller tourner l'humanité à partir d'un ensemble de mesures qu'elle va le prendre. Et Mwendo, une plus grosse mesure ça yo, c'est que Dessalines pral mette sous même blanc, le métis et le noir. L'ancien esclave, celui que thème péjoratif que Mbaye m'a utilisé à Mulat, plus le blanc, nous retrouvons sous même palier, sous même plan, avec les mêmes conditions. Ben, il n'y a plus de Mbaye qui arrive. Et c'est ça que l'humanité t'est douée véritablement pour au sérieux. C'est qu'à partir de 19 novembre 1803, ça a été toujours rejeté à cette culture nègre qui étonnait l'humanité. Que dans les années 50, que les grands penseurs africains pas le mettaient en valeur, il y avait une culture nègre qui véritablement étonnait le monde. Je dis à la France, ça pour mettre le Bénin des œuvres d'art qu'elle te volait la Kaeli. Je dis à l'Occident admettre que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. L'Occident obligé à admettre de les années 60, ce que Dessalines t'a dit bien longtemps avant, c'est que mon culture nègre, mon tradition qui gagne un pays ça et qui baille sens à l'évolution de l'humanité. Mm-hmm. Bien oui, ou même étudiant Captain Dem. Lorsque Napoléon Bonaparte prend seul Pauline avec le très beau-frère, Livo et Elvine rétablit l'esclavage à Saint-Domingue. C'était pour continuer un système. C'était pour te faire en sorte que, ou tu es toujours considéré comme étant bien meuble ou pas monde, ou son esclave que vous avez exploité. Il faut que le système, que le système exclusiviste, ça veut dire que, côté que colonie a produit pour que la France capable bien, il faut être perdurer. Il faut que vous ayez toujours gardé comme étant
m'ta dit des monde de seconde zone. Tout ça va le balayer de revers de main parce que courage grenadier inconnu que n'a salué mémoire grenadier que tout le monde dans l'histoire pays ça connaît. M'a cité capitaine d'eau, m'a cité Paul Romain, m'a cité François Capois. Tout le monde a parlé de Akeoïk, François Capois, Boulekar de Chevalier, tout ça. Et tout. Mais ce n'est pas ça qui est important, comprenez, auditeur, auditrice. C'est vrai que c'est un acte de bravoure que l'humanité parle de lui. Mais ça qui est important pour comprendre, c'est que c'est pas un mec à l'école, c'est pas des officiers qui le Saint-Cyr, qui t'a le Fort Bragg ou Fort Benning, qui ont discipline, qui ont bagaille. Non! Il y a eu la détermination, la volonté farouche d'un groupe d'individus qui ont changé les conditions de vie. Et le Dessaline, le Capois, pour le dire, monsieur, ouais, quand on a ça, le péché ne passe pas au preuve. Après qu'on est au risque même que le mourir, le général en chef a ordonné. Le général chef sera obéi, il va n'importe qui faire n'importe qui bagaille pour arriver à le général la satisfaction et changer le cours de l'histoire. C'est ça pour comprendre. C'est que c'est la fine fleur de l'armée française. Ils ont fait Valmier. Ils ont été en Syrie, la campagne de Syrie avec Napoléon. Peut-être que Guélain, Radio Omega. Fait la bataille d'Égypte. Radio Omega. Mais le vin là, c'est un promenade qui a été vin fait. Parce que le tête pas, elle est renfouché. Au Chambou pendant 2 mois, à pacifier colonien, il a maté esclave, il a déporté tout officier métissio, Madagascar, il a fusillé officier noyau. Il a rétabli l'esclavage, il a fait en sorte que la France toujours gagne l'appel des Antilles pour le totot, pour enrichir le même genre. Il n'y a pas de connaître qu'après 4 siècles, tu as gagné instinct de liberté. A non seulement tu as planté, mais tu as fleuri, tu as baillé, et tu as des nègres qui étaient là, tu as dit, quelle que soit la condition, jusqu'à la mort, il a fini par faire ça au besoin faire, à savoir. Former un État, former un pays, comprendre ce qui a passé. Je dis, moi, d'où, tout Haïtien dans le monde entier, tout monde noir dans le monde entier, tu dois fêter parce que son 18 novembre 1803, que sous terre, ça a créé Haïti, l'Occident chrétien, la France impériale, et il était plus grande puissance en ce temps-là, il reconnaît que non seulement que moun noir, que noir c'est moun, les reconnaître que nous font république, les reconnaître que nous égal égaux avec eux, les reconnaître que nous avons droit à la richesse et à la fortune, et les reconnaître tout, que nous avons tradition, que nous avons culture, que nous c'est moun, que nous cap vivre dans tout le peuple. Radio Omega. C'est ça qui est important. Radio Omega. C'est important, c'est impact, c'est conséquence dans l'histoire de l'humanité. Et en bas, ce n'est pas parce que le 1er janvier, que vous proclamez l'indépendance. C'est parce que, premièrement, la France acceptait que vous humiliez ou battre la plus grande armée du monde. Et pendant près de 2 siècles, les groupes n'ont jamais parlé de la bataille de Vertière. Comment on a dit qu'on a décrit la bataille-là? Ça va prendre presque 1 heure de temps pour écrire la stratégie que Dessalines mettait sous place. C'est l'une des plus grandes stratégies. Pourquoi vous avez demandé ça? Au point que, Braldouli, auditeur, auditrice, il va parler de Vertière, le livre Histoire, pays de la France, puis on dit que même j'ai au perdu à Waterloo, il a dit au perdu Vertière, il n'a pas jamais parlé de ça. Mais à Saint-Cyr, il a enseigné la stratégie de Salinienne. La guérilla urbaine, la guérilla de campagne. Il y a enseigné à Saint-Cyr. Il y a enseigné le Fort Bragg et le Fort Benning. Excusez-moi, petit moment, je m'en laisse. Et il y en a plus gros général vietnamien, le général Diap. Le moment de le coup, on fait battre américain. Il dit, moi-même, je ne vais pas battre américain, non. Je juste copier le modèle. Il y en a plus gros général que l'histoire baille, que les gens Jacques Dessalines. Mais on compte pour qu'ils amènent de ça.
Je pense que ça, ce Dieu là, côté à penser là, moi, je viens de dire tout. C'est marié, moi, le marié, la stratégie de Dessalines avec un bagage qui a passé pour nous. Il faut qu'on ait l'armée napoléonienne. Nous n'avons pas de gain pour nous battre. On garde différentes stratégies, soit ça nous dégaine comme piquette, soit ça nous dégaine comme petit de l'eau gratté, soit ça nous dégaine comme poudre, soit ça nous dégaine comme stratégie. Et pour nous dire, si l'armée indigène est capable de battre l'armée napoléonienne, est-ce que la police nous là que nous prétendons qu'il n'y a pas de gain pour nous battre? Pas qu'à faire goumer. Donc, son réalité, m'a souhaité marier, mais qu'à prendre tant tout, qu'à retirer dans l'émission, mais libet à la fin, dans la conclusion, ça, il est important pour nous garder. Parce que stratégie à fois. La police qui ça, chaque vendredi c'est qui est content. Plus pour jouer, c'est plus bonus qui ça monte. Qui donc, c'est plus argent gratis pour moi jouer. Quelque chose joué et ça sous l'ilem pour plus petit 25 000 ans maintenant bonus qui t'a garanti quelque soit résultat chaque vendredi bonus qui t'a monté sous compte pour me jouer tête posée si l'on joue plus à jouer même bonus qui vient plus gros n'est toujours tout joué d'accord qu'il est plus facile plus secret et le plus garanti. Faites étoile 888 10. Lisa, c'est prospérité en toute liberté. Bonne nouvelle, petit novembre pour arriver décembre, tout ça dans lunetterie divine, c'est cadeau de Noël. Ouais! Entre le juste prix et le prix spécial, si au moins tu préfères le prix spécial. 50% de rabais sur Fred Prada et les autres grandes marques. C'est Gucci, Lacoste, Cartier, Ray-Ban, que tu veux. Donc, on, bonne lunette pour. Du 8 novembre au 8 décembre, n'a descend lunetterie divine, Pétionville ou Léogane. Parce que c'est une divine occasion de se faire plus beau et plus belle. 31, 32, 07, 21, 42, 74, 88, 33. Tu appelles soit pour un rendez-vous, soit pour une information complémentaire. Et pas question de me taire sans te dire trois choses. 1. Complexe médical lunetterie divine est à place à 41 rue Lamar Pétionville et l'hôpital Sainte-Croix Léogane 2. Pour les ophtalmos, il y a un seul mot. Excellent. 3. Consultation gratis. Même si on a une prescription, n'a pas géré au complexe médical lunetterie divine. Ou à point clé et bien clé. La fois passée, pas de choix dans rien. Allez, fila, nous guessons. Ou avant fini. Potación por toda la plantación de Digo. ¿Para recargas? Con Zeno Plus. Esto es cosa del pasado. Puedes recargar tu móvil o de un familiar sin cargos adicionales. Zeno Plus garantiza que cualquier persona recargue a un teléfono móvil. Sin tarifa de proceso. Y sin tarifa por transacción extranjera. Con Zeno tendrás cero costo adicional. Por tiempo limitado. Cada recarga recibirá un descuento de $2. Así es, $2 menos. Simplemente descarga la aplicación Zeno Plus en el App Store o Google Play Store para beneficiarte de esta oferta. ZENO Plus, la aplicación de recarga gratuita. Mais c'est même nèg sa octab di que moun noir. Le fait de 18 novembre, on date côté que l'humanité est doit fêter. Parce que 18 novembre 1803, joue ça, date ça, ça dit la donne, la sécurité du pays, pour au point 17 novembre 2020 pour authentification.
juste un fond de bainé glanti tantôt. Vous voyez, d'ailleurs, LB, semble le monde qui met pilate. Donc, bainé, sécurité, pays, nous allons aller dans ça. Vous va comprendre? Et puis, ça vous dit la donne, la sécurité du pays, pour vous prendre 17 novembre 2020 pour authentification, Marjorie Michel, ingénieur et ancienne ministre de la condition féminine. Bon. Ça, même, c'est ça. OK? Je vous dis, nous, ouais, côté noyé. Nous, ouais, côté noyé. Et quelle que soit la situation, on va dire, nous, côté de bralé, et bataille vêtir là, qui s'en débaille. Donc, je dis, nous, ouais, côté noyé, la vie, dans l'iguana café, sous le canapé vert. Donc, je dis, pas de champ de masse, pas de delma, pas de campé de barricade. Pas de barri journal pour le bal vêtier. Maintenant, qui s'en y est? Maintenant, qui s'en tombe, je veux dire. En tout cas, et quittez les mots, c'est vrai, les mots. Comme moi, Ephraim, je veux dire, c'est 18 novembre. Il peut placer à 18 novembre. Bonjour, merci, Romanès. Bonjour, Rousseau. Bonjour, auditeur. Bonjour, auditrice. On est rentré pour nous parler d'un bagage extrêmement important qui se date. Jeudi à 18 novembre 1803. Moi, je connais que ça m'a dit au pas un. Mais ça m'a dit au, je pense que il y a deux mondes qui t'a rendu jeunesse pays à service. Si vous te remettez sur les réseaux sociaux, j'avais qu'on fait les gens dans la ria pour m'en apprendre, pour m'en entendre. Nous n'avons pas faut de vedette dans le booster, mais nous dit que pour éduquer les gens, nous autorisons n'importe qui radio ou passer San Baldio concernant le 18 novembre, concernant le 4 novembre. L'humanité, c'est pas de discrimination. L'humanité, c'est pas de race blanche qui a essayé de dominer toute les races qui sont sur la terre. Nations Unies ont une obligation pour le faire de 18 novembre. On date côté que l'humanité te doit fêter. Parce que 18 novembre 1803, jour ça, date ça, lui permettre que l'humanité font bon géant, lui permettre que l'humanité corrige des siècles d'erreurs, et date ça, lui a un impact théologique. Il y a un impact politique, il y a un impact social, il y a un impact économique, il y a un impact culturel. Nous avons juste côté malé pour nous capable expliquer aux mêmes jeunes haïtiens, aux mêmes mouns noirs, ça 18 novembre. Première importance pour comprendre l'heure où est le 18 novembre, parce que moi c'est date que je pire mais dans l'histoire pays. Et je vais expliquer pour qui ça, et vous comprendre tout, auditeur, auditrice, pour qui ça 18 novembre, non? C'est date pour nous te commémorer grandiosement, pour nous te fêter beaucoup plus que le 1er janvier. Parce que le 1er janvier a son date symbolique liée. Mais 18 novembre 1803, 18 novembre, non? C'est un bagage extraordinaire qui passe nous. Mais qui s'est passé? L'Église catholique, et quand il dit le papa qui était sorti, il dit que moun noir pas gen nom. Ça veut dire ou pas moun, ou son meuble. Même le baptisé ou la colonie, c'est peut-être pas pure hypocrisie. Mais il te dit que moun noir, c'était que moun noir pas moun, moun noir son deuxième catégorie lié, moun noir était comparé presque à bête. 19 novembre 1803. Lorsque le capitaine général Donatien Rochambeau décide de remettre Jean-Jacques Dessalines, le grand, seul saint dans le ciel, la ville du Cap-Haïtien a toute fouque là-dedans. Il y a 5 bagailles qui arrivent dans l'histoire de l'humanité. Le premier bagaille qui arrive, c'est que, par acte de reddition, ça, que le capitaine général, l'armée française, plus gros l'armée dans le monde, bon frère Bonaparte. Le monsieur signe l'édition. Monsieur voyait le bail de Saline. Par l'autre général, le gars qui était beaucoup tel.
Monsieur Dankou démenti 5 siècles côté que le tab dit noir pas moun, noir pas gen homme, noir pas rien. Le monsieur accepté que Jean-Jacques Dessalines bat li et que la plus grande armée du monde vin là l'oblige met à genoux demander pardon. C'est pas victoire, non, qui est important. C'est conséquence victoire. Pour analyser, pour comprendre, pour garder. Si je m'accepte que moun noir, c'est moun qui a une dignité, qui a un caractère, que c'est des êtres humains, ou pas capable d'accepter que pour rendre tout, pour rendre la ville du Cap avec tout faux français, par des années. Mais, comprenez bien. Et c'est ça qui est important. Pour comprendre le titre. Là, ça, l'article 3, l'édition que Rochambeau voit et Baye Dessalines, non? Là, qui est là? Là où après l'indépendance? Non, avant l'indépendance. Le 18 novembre, 1903. Dans l'après-midi du 18 novembre, je vais commencer avant pour me garder côté Msouti. Parce que 18 novembre, c'est la dernière bataille. Oui. Faut me connaître côté Msouti. On garde côté Msouti dans la genèse question pour m'arriver 18 novembre. Et après 18 novembre, parce que faut ne pas ouais 18 novembre non, comme 18 novembre, non, on joue de 24 heures. Au même après l'indépendance, nous avons continué à boycotter, nous continuons à prendre. Non, ça, c'est le bagage au Malais. Ça me l'explique, ça veut dire que c'est pas bataille qui était laissée. Ça veut dire que nous avons parlé de depuis la révolte a commencé jusqu'à ce que. Non. Ça qui importe aujourd'hui, ça, nous avons dit qui est essentiel aujourd'hui à la date 18 novembre. Non. C'est montrer comment l'histoire de l'humanité a changé à partir de victoire. Oui, mais il faut expliquer la bataille. Là, tu ne sais pas la bataille. Comprenez bien. L'homme parlait que le capitaine général, là, qui c'est beau-frère Napoléon, monsieur écrit un acte de reddition, vous voyez, par Dessalines. Mais l'article 3, monsieur dit Dessalines, tant pis. Nous comptons sur l'humanisme, nous connaissons ce monde. Nous respectons la grandeur et caractère. Nous demandons tant prix pour protéger les gens qui sont blessés avec les prisonniers. Mais c'est même nèg ça qui a dit que les gens noirs fait pour esclaves, qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de monde. Et puis nèg après l'écrit l'autre là, pour dire moi connais que comment son grand nèg, comment son grand cœur, comment son nèg qui comprennent les lois de la guerre et que les prisonniers blessés ont traité au bien. Et pour ce bagage garanti, bonne volonté que la presse était pareille, parole, monsieur consigné, monsieur voyé un officier supérieur, en général, qui fait pour constituer tête les prisonniers, la main des Salines, pour que pendant 10 jours, qu'à permettre que l'armée française évacue tête les, prenne bateau, lio, aller avec monde qui blessé, avec monde qui cap marché, avec population civile qui veut aller, monsieur besoin garanti. Et Dessalines pour respecter parole li, Dessalines pour faire un couloir humanitaire pour permettre que Rochambeau reste à la française là, français qui est dans la colonie, qui voulait aller, pour y aller. Je dis que, à partir de cette reddition, vous avez dit le papal qui annule dans l'histoire de l'humanité, moun noir, des hommes, moun noir, quatre chrétiens, moun noir, c'est petit bon Dieu, moun noir, c'est moun. C'est une bagaille qui est plus importante qui arrive le 19 novembre 1803. Une bagaille qui arrive dans l'histoire de l'humanité, c'est que l'Occident chrétien, la France qui est la première puissance dans le monde, a accepté que son État qui soit, son République qui fait, et son République de nègres. Il était considéré le code noir comme bien meuble. Ça veut dire qu'il était mis au même côté à table, à chaise, à bête. Mais à partir de l'édition, ça, la France a accepté pour ancienne colonie, là, les pédules, les fautifs sont influence française pour tomber en bas autorité qui en est qui est Jean-Jacques Dessalines qui décidait de faire territoire ça, colonie ça, en république, pour que tout le monde puisse vivre libre et égaux en droit. Mm-hmm. Ce que la révolution américaine n'a pas su faire, Dessalines fait à partir de 18 novembre 1903.
Ce que vous avez extrêmement important pour comprendre, auditeur, auditrice. L'expédition de l'Etat en 1802, Napoléon Bonaparte voyait un régime polonais, il voyait un régime grec, il voyait des Espagnols avec des Italiens, qui le fait font régime ensemble, il voyait Saint-Domingue, parce que le pays a été sous domination, le pays a eu la France qui a gouverné. Donc il prend soldat, ça il voyait venir établir l'esclavage à Saint-Domingue. La grande dame de Saline, elle ne prend ni polonais, ni grec, ni espagnol qui voulait rester. Elle prend une nationalité haïtienne. Elle prend faire un citoyen en république qui fait fête, qui relève Haïti, côté tout le monde, qu'au blanc, qu'au noir, qu'au métis, ou simplement c'est haïtien, ou qui a même droit, ou qui a même devoir. Social, 18 novembre. 1803. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'Occident chrétien reconnaît que lui-même, avec l'homme blanc, avec un aide, c'est même bagaille que lui. Dans l'acte de reddition signé par le général Donatien de Rochambeau, qu'elle a adressé au général de Salines, non seulement M. reconnaît autorité, pouvoir, que de Salines comme général chef de l'armée, même se reconnaître comme blanc, comme raciste, comme on est qui t'a fait chien manger esclave. Il reconnaît que Dessalines c'est égal lui. Il reconnaît que les mecs Dessalines c'est même bagaille. Et monsieur accepté, remettre Epel, remettre Zamni, bail Dessalines, parce que justement, monsieur perdu devant Gonneg qui est déjà Dessalines. Les grands portes théologiques, les grands portes sociales, qui est extrêmement important. Vous comprenez ce qui passe là? Je veux dire, à partir de 19 novembre 1903, l'apartheid était de disparaître dans le monde. Au-delà de ce phénomène esclavage à quoi disparaître, au-delà du fait que sous terre, ça a désormais pas d'esclavage encore, au-delà du fait que sous terre, ça a qu'au métis, qu'au blanc, qu'au français, qu'au grec, qu'au n'importe qui bagarre, etc., ou égal égaux à quoi ancien esclave, nous tous ces mêmes, nous tous les mêmes droits, nous tous ces citoyens de la République tenier. Mais c'est cohésion ça qui va le sortir à partir de 1803 qui est extrêmement important. Nous ne pouvons pas oublier. La France qui fait déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les pral retourner sous lit pour faire rétablissement de l'esclavage à la Martinique, à la Guadeloupe et à Saint-Domingue. Les États-Unis qui soi-disant sont républiques, n'est-ce que ça fait blanc rue à régler, n'est-ce que fait pour l'implantation coton Virginie dans le sud pour être comme esclave vieux calo pour faire ça là-bas. C'est-à-dire que là, en Haïti, l'ancienne colonie, ça a devenu une république, non seulement par l'esclavage, non seulement l'Occident chrétien admet que moun noir, désormais, c'est moun à part entière créé, mais l'Occident chrétien oblige à admettre que ni noir, ni blanc, ni métis, nous tous ces mêmes, nous tous ces mêmes jeunes fêtes, nous tous ces petits, mon Dieu. Approche économique, le cognant. C'est ça qui a bouleversé totalement l'Occident, l'Europe, plus les États-Unis. Qui fait que Negio pral mette yon embargo unique et cynique contre pays. Vous comprenez bien? Negio son commerce que vous gagnez, son business que vous gagnez, côté que bon bon bête, bon bon moun noir. Qui a fait travail, l'implantation canne, l'implantation coton, l'implantation indigo, pour le cabre riche, yon même pour mener la belle vie. Ou pas gen droit propriétaire, puisque ou pas moun, ou pas gen droit que l'argent le monde, puisque ou pas moun, ou pas gen droit riche, ou pas gen droit rien d'autre. 18 novembre 1803, li fait non seulement d'un net droit citoyen à part entière dans l'État, mais li dit ou, l'ouvrir la voie pour à la propriété privée, à la richesse, à la fortune. À partir de 19 novembre 1803, on est nous gain de travail terre ou vendre produit ou faire l'argent ou faire comme ou générer richesse ou changer condition de vie ou à condition de vie famille. Oubliez m'dou, c'est 5 étapes que lié. Pour bagarre là c'est que au point de vue théologique les démentis ont édile papal qui te météo
la situation pour tes bêtes. La deuxième chose, moins d'où, les sociales, parce que le noir, le métis, le blanc, par l'acte de reddition signé par Donald Saint Rochambeau, les accepter que nous toutes ces mêmes, les accepter que Desalines, même gens avec Pétion, même gens avec Rochambeau, il y aurait même droit, il y aurait même gens, il y aurait même gars. Mais nous, pour tes politiques, c'est que l'État, la République d'Haïti, je dis à l'Ipon colonie, l'éclaté, la France pédule, et qu'on nègre que les Desalines qui décidaient que colonie, ça, désormais, c'est une république. Entier. Libé, libé, qu'on dit, tout le monde dit. Quand mon tête li, il va le prendre droit qu'il veut, il va le comportement qu'il veut, il va aller tourner l'humanité à partir d'un ensemble de mesures qu'il va le prendre. Et me dit, une des plus grosses mesures, c'est que Desalines va le mettre sous même blanc, le blanc, le métis et le noir. L'ancien esclave, celui que péjoratif que je n'ai utilisé à Mulat, plus le blanc, nous retrouvons sous même palier, sous même plan, avec les mêmes conditions. Ben, une lapide gobaye qui y veut. Et c'est ça que l'humanité est douée, véritablement prêt au sérieux. C'est qu'à partir de 18 novembre 1803, ça a été toujours rejeté à cette culture nègre qui étonnait l'humanité. Que dans les années 50, que les grands penseurs africains pas le mettaient en valeur, il y avait une culture nègre qui véritablement étonnait le monde. Je dis à la France, ça pour mettre le Bénin des œuvres d'art que te volé la Kaeli. Je dis à l'Occident admettre que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Occident obligé à admettre, dès les années 60, ce que Desalines te dit, bien longtemps avant, c'est que mon culture nègre, mon tradition, qui gagne un pays ça, et qui baille sens à l'évolution de l'humanité. Comprenez bien, oui, ou même étudier Captain Dem. Lorsque Napoléon Bonaparte prend seul Pauline avec le très beau frère, Livo et Elvin rétablit l'esclavage à Saint-Domingue, c'était pour continuer un système, c'était pour te faire en sorte que, ou tu toujours considéré comme étant bien meuble ou pas monde, ou son esclave que tu as exploité, il faut que le système, que les systèmes exclusivistes, ça veut dire que côté que colonie a produit pour que la France soit capable bien, été perduré. Il faut que vous ayez toujours gardé comme étant des mondes de seconde zone. Tout ça, ça va balayer de revers de main parce que courage, grenadier inconnu, que nous avons salué mémoire, grenadier que tout le monde dans l'histoire pays ça connaît. Je cite Capitaine Do, je cite Paul Romain. M'a cité François Capois. Tout le monde a parlé de archéologique, François Capois, Boulet Cadet Chevalier, tout ça, etc. Mais ce n'est pas ça qui est important. Comprenez, auditeur, auditrice. C'est vrai que c'est un acte de bravoure que l'humanité parlait de lui. Mais ça qui est important pour comprendre, c'est que ce n'est pas un métal l'école, ce n'est pas des officiers qui t'as le Saint-Cyr. Qui t'a le Fort Bragg ou Fort Benning, qui ont discipline, qui ont bagaille. Non! Il y a eu la détermination, la volonté farouche d'un groupe d'individus pour te changer les conditions de vie. Et l'un des Salines, le Capois, pour le dire, monsieur, ouais, quand on ça, le péché de passer, pas après. Capois qu'on est au risque même que le mourir. Le général en chef a ordonné, le général en chef sera obéi. Il va n'importe qui faire n'importe qui bagaille pour arriver, bailler, général la satisfaction et changer le cours de l'histoire. C'est ça pour comprendre. C'est que c'est la fine fleur de l'armée française. Ils ont fait Valmier. Ils ont été en Syrie, la campagne de Syrie avec Napoléon. Peut-être que Guélain, Radio Omega. La bataille d'Égypte. Radio Omega. Mais, le revient là. C'est ton promenade qui a été venu faire. Parce que le tête pas, elle est renfouchée.
Rochambeau pendant 2 mois a pacifié colonie, il a maté esclave, il a déporté tout officier métissio Madagascar, il a pillé officier noyau, il a rétabli l'esclavage, il a fait en sorte que la France toujours de l'appel des Antilles pour le tostot, pour enrichir même gens. Les gens pas connaît qu'après 4 siècles, t'es gagné. Instinct de liberté, a non seulement le t'es planté, mais le t'es fleuri, le t'as baïfoui, et que des nègres qui t'es là, t'es dit, quelle que soit la condition, jusqu'à la mort, il a fini par faire ça au besoin de faire, à savoir former un État, former un pays, comprendre ce qui a passé. Je dis, moi, d'où tout haïtien dans le monde entier, tout le monde noir dans le monde entier, tu dois fêter parce que son 18 novembre 1803, que sous terre ça a créé les Haïtiens, l'Occident chrétien, la France impériale, et il était plus grande puissance en ce temps-là, de reconnaître que non seulement que moun noir, que noir c'est moun, de reconnaître que nous font république, de reconnaître que nous égal égaux avec eux, de reconnaître que nous avons droit à la richesse et à la fortune, et de reconnaître tout. Que nous avons tradition, que nous avons culture, que nous sommes monde, que nous cap vivre tout notre peuple. Radio Omega. C'est ça qui est important. Radio Omega. Qu'on est. C'est important, c'est impact, c'est conséquence dans l'histoire de l'humanité. Et en bas, ce n'est pas parce que le 1er janvier, que vous proclamez l'indépendance. C'est parce que, premièrement, la France a accepté que vous humiliez, vous battez la plus grande armée du monde. Et pendant près de 2 siècles, les groupes n'ont jamais parlé de la bataille de Vertière. Vous parlez de fond d'écrit bataille là, ça va prendre presque 1 heure de temps pour nous écrire stratégie que de Saline mettait sous place. C'est l'une des plus grandes stratégies. Pourquoi vous avez demandé ça? Au point que, Mbral Douli, auditeur, auditrice, il va parler de Vertière, le livre Histoire, pays de la France, puis on dit que même j'ai au perdu à Waterloo, il t'a dit au perdu Vertière, il n'a pas jamais parlé de ça. Mais à Saint-Cyr, il enseignait la stratégie de Salinienne. La guérilla urbaine, la guérilla de campagne, il enseignait à Saint-Cyr. Il enseignait le Fort Bragg et le Fort Benning. Excusez mon petit moment, je m'en laisse. Et il y a un plus gros général, Vietnamien, le général Diap. Le moment de le comment faire battre américain. Il dit moi-même, je ne vais pas battre américain, non. Je vais juste copier le modèle. Il y a un plus gros général que l'histoire baille, qui est le Jean-Jacques de Saline. Mais on compte pour qu'ils amènent de ça. C'est parce que ça se dit là, côté à penser là. Moi, je viens de dire tout. C'est marié, moi, le marié, la stratégie de Dessalines avec un bagage qui a passé pour nous. C'est fort qu'on est l'armée napoléonienne. Nous pas de zam pour nous abattre à clé. On garde différentes stratégies, soit ça nous dégaine comme piquette, soit ça nous dégaine comme outil de l'eau gratté, soit ça nous dégaine comme poudre, soit ça nous dégaine comme stratégie. Et pour nous dire, nous, si l'armée indigène est capable battre l'armée napoléonienne, est-ce que la police nous là que nous prétendons qu'il n'y a pas de bandits, bandit, pas qu'à faire gourmet. Donc, son réalité, nous avons souhaité marier, mais qu'à prendre tant tout, qu'à retirer dans l'émission, mais il va être à la fin, dans la conclusion, ça, il est important pour nous garder. Parce que cette stratégie, à fois. Il faudrait rappeler que nous avons des âmes devant la mise à battre. Et Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, pour la mort, notre stratégie bataille, notre stratégie, bon, stratégie infiltration, il y a battre la mise à. C'est ça que je dis des fois, regardez, parce que vous dites tout,